Merci beaucoup. C'est une chouette ambiance à Vincennes. Écoutez, mon capitaine, on ne pouvait pas faire autrement. Mais j'ai vu que vous étiez un très bon public, parce qu'on est arrivé à la fin, et le public le plus pointu rigole aux histoires de boîte à musique. Et donc, quand j'ai senti la rumeur de rire, je me suis dit, ah, c'était un bon public. Merci. Vous connaissez Blake Edwards, la partie? Oui, je ne connais pas personnellement, mais oui. Non, mais depuis le temps, oui, non, mais c'est très fin. C'est admirablement bon, depuis longtemps, je n'avais pas autant ri. Longtemps. Et c'est dommage que Denis ne soit pas là. Denis, mon frère, est accaparé par le théâtre. La Comédie Française. Oui, et il répète pour Avignon... Dans pas longtemps, oui. On va faire un débat tout gauche, tu vois. Je t'écoute. C'est l'art. Au début, il expose son propre tableau. Explique pourquoi ses choix, pourquoi la voyance. Ouais. Monsieur me demande pourquoi tout ce début. Tous vos choix. Tous mes choix, oui. C'est plan à plan, tous les choix. Et même, il y a beaucoup de choix dans chaque plan. Donc, on s'en sort pas. Comme il s'agissait de décrire une bande d'amis, je me suis dit, plutôt que de lui montrer ayant des fous rires à la fin d'une fête ou autour d'un barbecue, on va montrer qu'ils se doivent tous de l'argent les uns aux autres, ce qui est une chaîne d'amitié comme une autre, quoi. J'ai remarqué souvent que quand on a du mal, je vois ça surtout dans les pays étrangers, mais les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts font au moins deux boulots. Et là, du coup, c'est pas clair, mais à un moment, la fille dit qu'elle a, quand elle chante dans le café chanté, qu'elle est serveuse sur un autre bar, enfin voilà. Bref, mais c'était une façon de montrer... Chacun dans sa petite misère, mais sans que ce soit misérabiliste, quoi. Ouvrir le film avec un sac poubelle qui saute de lieu en lieu, je trouve que c'est déjà, franchement, je trouve ça déjà absolument génial comme revisitation de quelque chose qui est à la fois burlesque, oui, saisissant et extrêmement surprenant. Mais je vais continuer de me justifier. Si, parce que ça vient d'une petite lâcheté de ma part, c'est que dans le scénario, j'avais écrit que je nageais dans l'eau avec un faux nénuphar sur la tête pour m'approcher des pédalos. Puis quand j'ai vu le canal, c'était pas hyper... Donc j'ai trouvé cette idée d'extrémiste de sac poubelle. Et du coup, j'ai passé la journée dans un sac poubelle, ce qui est guère mieux, parce que on peut pas savoir comment un sac poubelle sent fort... Même vide, hein. Il y a une espèce d'odeur de plastique de daim qui m'a un peu tourné la tête. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des questions déjà dans la salle. Il y a un micro, en revanche, dont il faut... soyez pas timide. Non, vous avez prévenu que les questions sont gratuites, mais les réponses, c'est 5 euros. Voilà, alors regarde Nicolas, il y a une question tout au... C'est une question technique. Vous tournez cinéma classique ou en numérique? Numérique, parce que cinéma classique, ça devient très très difficile de... mettre ça sur pied, puis de toute façon, tout est numérisé après, donc je vois plus tellement l'intérêt. Par contre, ce que j'ai aimé en passant de la pellicule au numérique, c'est tous les savoir-faire, tout le comportement, tous les gestes du métier sont restés les mêmes. Il y a le même attachement à la caméra, le même soin et la même lenteur, en fait, dans le cinéma. Et là, quand on tourne, c'est un film en vrai cinémascope, c'est-à-dire avec des très très belles optiques énormes qui font un flou très beau, qui ont un beau contraste. Et ce cadre nous permettait de filmer la rive en voyant la rive gauche et la rive droite en même temps. Et la caméra est tout, parce que j'aime pas qu'une toute petite caméra se fasse oublier. Je trouve très beau sur un plateau que la caméra, c'est quand même l'œil du cyclone, ce qu'elle veut dire. Et finalement, une caméra numérique, quand elle est professionnelle comme ça, elle est hyper belle. Elle est à plein de maintenant de... c'est un ordinateur, une caméra aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est une espèce de gros insecte au milieu du plateau. La machinerie n'a pas changé par rapport au 35. C'est toujours un chariot, une grue qui monte. Enfin, tout ça reste très, très beau.
Donc j'ai pas de nostalgie du 35 en fait. 35 mm. Et juste pour compléter, concernant l'éclairage, c'est la même chose qu'avant ? Ah, c'est mieux. C'est mieux parce que maintenant, la sensibilité d'un capteur numérique est telle qu'on peut filmer la nuit sans presque ajout de lumière extérieure. Donc, il n'y a plus les gros HMI, ces gros projecteurs qui étaient très lourds à manipuler d'un plan à l'autre. Là, on colle au plafond d'espèces d'alignements de petites LED et ça vous fait tout de suite un joli contre-jour. C'est très, très souple. Pour les acteurs, c'est beaucoup plus agréable parce qu'ils ne chauffent plus comme avant, comme des steaks. C'est presque à tous les maillons de la chaîne, parce que le numérique, même la pellicule, le film commence depuis hier, donc aujourd'hui la pellicule aurait été neuve, et dans une semaine, elle aurait été pleine de rayures avec les collures, des bobines. Là, le film reste impeccable tout le long de son exploitation. Ce qui est quand même précieux. Pour le son, c'est merveilleux. Parce que maintenant, avant, on avait droit à 8 pistes maximum pour un plan. Maintenant, chaque plan fait une centaine de pistes, au moins. Parce que déjà, on est en 5-1, donc il y a 5 sources, 7-6. Et puis, vous rajoutez. Un bête son, en fait, est le fruit de l'addition de plusieurs petits sons. Donc, on crée des sons à chaque film. Avant, on entendait toujours le même coup de feu de film en film, parce que c'était la même piste qu'on se repassait. Maintenant, on crée à chaque fois, pour chaque film, des nouveaux sons, qui sont la combinaison de bibliothèques sonores, de prises de son, de bruitage, et ce qui fait qu'il y a une richesse du son maintenant phénoménale. Voilà, c'était mon éloge du numérique. En fait, c'est la première fois que je sors à la fin d'un générique. Puisque d'habitude, on n'attend pas d'aller jusqu'au bout. J'ai un retour, ça me trouble, mais bon. Et je me dis qu'il y a énormément d'intervenants, que ce soit... Enfin, bon, on a vu tout ce qui était écrit. Combien de temps il faut pour préparer un film avant de pouvoir tourner ? Parce que quand on voit le nombre de financeurs, le nombre d'autorisations qu'il doit falloir demander, etc., etc., ça, j'aimerais bien savoir combien de temps vous avez mis pour pouvoir préparer simplement. Oui, alors il y a plusieurs chantiers. Il y a la recherche de financement. Ça, c'est le travail de nos producteurs. Moi, je m'en soucie guère. Enfin, je vais quand même défendre le projet devant certaines instances. Mais... Et la préparation, proprement dite, elle dure à peu près 2 mois. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais j'aime assez cette urgence des 2 mois. Parce que c'est là que le film se dessine, dans le choix des comédiens, des décors, des costumes. Beaucoup de choses apparaissent enfin. Je réadapte le scénario vite fait à ce que j'ai pu trouver, le choix du bateau pour ce film-là. Et puis ce qui est beau, c'est qu'au début, je suis quasi tout seul. Et puis après, j'ai un premier assistant qui m'aide. Et puis après, le chef-op arrive avec son équipe. Après, les décorateurs arrivent. Donc l'équipe, de jour en jour, grossit. Ça, c'est très joyeux. Ça rappelle un peu la préparation qu'on voit dans le film. Oui, c'est ça, les tablés, comme ça. Et on rêve le film. J'aime beaucoup, beaucoup cette étape qui est cruciale. Crucial, c'est là, je pense, que je fais plus de choix à ce moment-là que le temps du tournage, où beaucoup de choses sont initiées, même je ne pourrais plus changer. Ouais. Je voulais reprendre un peu ces deux premières interventions parce que j'avais l'impression que ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire le plaisir de la préparation, un peu cette urgence, la constitution d'une équipe. En plus, on peut dire que vous travaillez un peu avec une troupe de comédiens, même si là, il y a un comédien qui vient rejoindre cette troupe qui est... s'appelle... je savais que ça allait m'arriver. Daniel Auteuil, voilà. Là, c'est quand même, c'est quand même rare que ça m'arrive, mais voilà, ça m'arrive. C'est pas sur... Mais oui, du coup, je voulais revenir vraiment à la matière du film. Et j'ai l'impression qu'il y a... alors, il y a plusieurs... On va naviguer un peu quand même, j'espère. Mais c'est vrai que moi, j'avais l'impression, en voyant le film, qu'il y a une sorte de jubilation. Et retrouve. Non, mais je ne sais pas si vous avez partagé ce sentiment. Hein, j'ai eu l'impression que là, dans la salle,
ça, il y avait quelque chose d'un sentiment un peu jubilatoire qu'on retrouve malgré les circonstances. Et j'ai l'impression que, en fait, cette manière de voir des personnages qui vont monter un coup. Un tournage est un hold-up. Hein. Voilà. Et que ça a aussi à voir avec ça. Alors, oui, oui, oui. Je sais pas. Moi, je suis nulle en question. Hein. Je fais des. Non, mais j'ai bien compris le parallèle. Je suis dessus parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très. Et quel que soit, c'est pour ça que je vais repasser la parole au spectateur, quelle que soit la manière dont on envisage le cinéma, dont on connaisse ou pas votre œuvre et dont on navigue à l'intérieur ou pas, je trouve qu'il y a dans le film, à la fois dans sa construction et dans le. C'est pas pour rien, j'imagine quand même qu'il y a l'ode à la joie. Voilà, même si je vois que ça ne m'a pas échappé, quel drapeau vous hissez, cher capitaine. Oui, oui. Circonstance, hein, c'est drôle. Je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est ça. Donc voilà, mais je voudrais du coup peut-être d'abord que nous vous parlions après tout de la genèse de ce projet, parce que je crois que c'est un projet que vous aviez déjà depuis un petit moment. Oui, vous avez mis un temps dingue. Hein. Non, mais c'est passé par plein de... écluse par écluse. On y est arrivé, oui, oui, oui. On est remonté jusqu'à la source. Oui, donc la source du canal, j'ai loué comme ça, moi, des petits bateaux, des pénichettes. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je me suis dit, tiens, c'est très très long, ça se répète beaucoup. Voilà deux très mauvaises idées de cinéma. Et c'était un défi de... Voilà, j'ai choisi le décor avant d'avoir l'histoire, oui. Ouais. Et du coup, quand vous avez eu le décor et que vous avez dû écrire, au fond, l'idée première que vous avez eue, c'était par rapport à quoi? C'était retrouver une idée de tout. Ce que vous disiez, c'est-à-dire la petite bande, en fait, je me suis dit, ah, si c'est une croisière où ils s'improvisent tous, l'un serveuse, mousse, capitaine, voilà, des bras cassés, des bronquignoles, des... Eh bien, ça peut être drôle, quoi. Il n'y a pas de raison que tout ça n'existe pas dans un film aujourd'hui. Oui, j'ai lu vaguement que c'était une référence à la Grande Vadrouille. Un hommage à la Grande Vadrouille. Oui, c'est la réponse cynique. Oui, oui. Non, c'est la vraie réponse, d'ailleurs. Mais par ailleurs, la Grande Vadrouille, c'est comme 17 millions d'entrées, hein, donc ça fait revivre. Mais le rapport, j'ai un peu de mal. Aucun. Ah, d'accord. Non, c'est du pur opportunisme. Une comédie, quoi. C'est une comédie, ah. Voilà. Et je me suis dit, il reste bien quelques miettes de ces 17 millions surfer. Et mon prochain film s'appelle Un grand truc en plus. Là. Tranquillou. J'espère qu'on naviguera. Il m'a semblé avoir entendu le nom de Jack Lemmon. On y reviendra tout à l'heure. Ben oui, ben, hommage. Ça, c'est un vrai clin d'œil. Ça. Voilà. J'adore Jack Lemmon. Jack Lemmon, on peut dire peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Jack Lemmon, les films de Billy Wilder. Jack Citron. Hein? Jack Citron. Voilà, moi, je pensais beaucoup à Fortune Cookie, la grande combine. Hein, c'est ça? La grande combine. Oui, oui. Dans la grande combine de Billy Wilder, c'est un caméraman sur un sportif. Hein, c'est ça. Et il y a un joueur de football américain qui se prend la caméra. Et donc, on croit qu'il est blessé. Et comment on appelle ça? C'est une escroquerie à l'assurance. C'est une escroquerie à l'assurance. Et le pauvre Jack Lemmon, qui est un type super honnête, il est obligé de faire croire. Enfin, c'est tout un truc. Et donc, je pense... Walter Matthau, l'horrible. Walter Matthau. Parce que dans la jubilation dont je parlais, il y a aussi il y a à la fois l'idée de faire un coup, et il y a l'idée aussi de monter comme une sorte de travestissement, enfin, qui serait de se déguiser pour réussir ce coup. Ça me faisait penser beaucoup à Billy Wilder, du coup. Oui, oui. Et puis, ce qui est drôle, c'est quand le déguisement n'est pas terrible.
c'est que ça craque. Oui, oui. Jean Noël, il s'est fait l'éclusier, un look de trafiquant colombien. Je suis grande fan de vos films. Je remarque que ça fait trois films que vous faites autour de l'eau. Est-ce que vous faites un lien même Et une deuxième question, est-ce que vous utilisez la même glaviole surtout? Trois films sur l'eau, oui. Ben je me suis aperçu que j'aimais bien non pas l'eau, parce que j'aime pas me mouiller, mais être au-dessus de l'eau ou d'avoir un truc étanche entre moi et l'eau. On peut appeler ça un bateau, ou un sous-marin, ou un kayak. Bon, ça, c'est pour l'eau. Et puis pour la glaviole, oui, c'est la même glaviole de film en film. Pour ceux qui ne connaissent pas cet objet magnifique, non identifiable, c'est un... Depuis Liberto Leroux, quelqu'un dans mes films se prend les pieds dans cet objet. On dit que c'est une glaviole, on le jette plus loin et c'est tout, ça n'a aucun sens. Ça n'est pas autobiographique. C'est gratuit comme la marche cassée de Les bijoux de la Castafiore de Tintin. Mais ce qui est troublant, c'est que cet objet qui était une pure blague est devenu quand même... j'ai été pris à mon propre piège parce que la mairie de Versailles a voulu faire une expo de mes objets il y a quelques temps, après bon public. Et il y avait le... Je ne retiens jamais le nom, comment on appelle ce qui indique dans un musée Le cartel. Le cartel, avec écrit la glaviole. Et la glaviole, comme le fétiche de l'oreille cassée, n'était pas là. Parce que mon accessoiriste ne la retrouvait pas. Et il m'appelle angoissé, on était à 2 heures du discours du maire, toujours pas de glaviole. Et moi je me suis dit, mais Bruno, et ton cinéma va s'arrêter. Tu n'as plus ton fétiche, quoi. Et puis heureusement, coursier, voiture, la glaviole est arrivée, elle était posée en vitrine juste avant que le maire ne se penche sur elle. Et je me suis dit, c'est complètement con cette histoire, mais maintenant, cette glaviole... jamais au coffre entre deux films. Deux motards qui l'amènent sur le plateau. Elle est rangée immédiatement. Et je sais qu'Hitchcock, au début, avait remplacé des figurants parce qu'il avait un petit budget. Donc il s'était mis comme ça. Puis après, il a été repéré. Donc les gens étaient heureux de le voir dans le plan. Puis après, les gens l'attendaient. Et après, il est apparu très vite... très tôt dans les films, pour que les gens arrêtent de chercher pendant tout le film. Si, si, si. Et cette glaviole, je sens que je vais faire un jour un générique sur la glaviole et que ça sera après, on passera à autre chose, quoi, parce que ça devient vraiment pesant. Enfin, voilà. Bah, tout d'abord, je vous remercie parce que c'est vrai que j'avais pari depuis longtemps devant un film, c'est vrai, ouais. Non, mais ça fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. J'ai retrouvé en fait vos gags, l'humour. J'ai trouvé un peu à la Jacques Tati, j'ai trouvé. Et je voudrais bien savoir de qui vous vous inspirez, de quel cinéaste, quel humoriste, quel humour, quel gag, de quoi vous vous inspirez pour faire vos films. Il y a une dame qui dit la Castafiore de manière totalement évidente, de la Castafiore. Ben oui, la Castafiore, elle est drôle. Mais, alors Tati, Black Edward, je suis très bien reçu ici. Oui, oui. Oui, j'entends bien. À moins que vous détestiez Tati, mais oui, oui. Ouais. Non, mais je suis très honnête. Oui, enfin, de toute façon, je crois que quand on est influencé, moi, je suis Tati... Je l'ai vu très tôt, très jeune, il m'a marqué. Billy Wilder ou Capra m'ont marqué très jeune, donc je suis imprégné de ces gens-là. Mais je ne pense pas à eux en faisant un film. Je n'ai pas de référence comme ça explicite. D'abord, on se croit génial quand on commence un nouveau film, donc on croit qu'on invente tout, alors qu'en fait, évidemment, on répète beaucoup de choses assimilées secrètement. Mais je dirais quand même ma source principale d'inspiration, c'est quand même la vie que je mène, qui n'est pas trépidante, hein, qui est passager de RER, j'aime bien écouter les conversations, je me nourris,
J'ai toujours pris des notes, j'entends des bribes de dialogue, des répliques que personne ne pourrait imaginer. J'ai plusieurs projets dans ma tête, puis comme ça, mais ces petites notes, je les affecte à tel ou tel projet. Voilà, mais je dirais que c'est surtout l'inspiration au quotidien. Voilà, on est très drôle. Hein. Bien le savoir. Alors figurez-vous, grâce à l'équipe du Vassène, on voit plein de films de répertoire ici. Et j'ai pensé aux 7 samouraïs, qui est aussi un film de groupe. Et rappelez-vous, oui, on met la barre très haut. Hein. Kurosawa, petite commission à la fin. Kurosawa, j'avais jamais eu droit à Kurosawa. Comment ? Kurosawa, merci. Hein. Le petit conseil, c'est 10 euros, j'ai mon QR code. D'accord, ok, mais bien sûr, vous avez votre QR code. Ouais. Non, mais alors tout ça pour dire que le premier plan de 7 samouraïs, le personnage surgit d'un tas de bottes de riz. Et donc peut-être inconsciemment... Camouflé. Oui. Génial. Ben merci. Hein. Je vais revoir les 7 samouraïs. Alors, ça tombe bien. Ça tombe bien, on vous invite parce qu'il ressort en copie restaurée sublime. Je vais aller présenter le 2000 ans d'Issée de l'espace en Normandie. Non, mais je ne blague pas. Pourquoi tout le monde rigole? C'est vexant. C'est vrai. Si, parce que j'ai glissé 2 hommages à Kubrick. Dans la confidence, c'est un truc que je dis jamais parce que c'est quand même un peu présomptueux. Mais dans ce film-là, il y a un hommage à Kubrick, à 2000 ans. Là, il faut le trouver. Hein. Et si je vous le dis, il est assez évident, en fait. Mais pour ceux qui connaissent bien le film... Hein. Dans Adieu Berthe, pour ceux qui l'ont vu, j'avais mis un monolithe noir dans la maison des pompes funèbres. Et là, dans celui-là, en fait, j'ai regardé cette pénichette entrant dans l'écluse. Et je me suis dit, tiens, on dirait l'arrivée du vaisseau spatial. Vous savez, qui se met en orbite, il se met à tourner comme pour rentrer. Et du coup, j'ai mis le beau Danube en boîte à musique. Et oui. Balèze, hein. Mais si on le dit pas, on le voit pas. Hein. Ah, mais c'est chaussé. Oui. Là, vous n'avez pas besoin de micro, hein, c'est bien. Un hommage à la chanson française, oui. Enfin, en tout cas, ces chansons-là, oui. Moi, je parle de Jean Lefebvre. Oui, je crois que c'est dans Libération, vous parlez, vous dites, ah ben, j'ai pensé à un moment, le rôle de Daniel Auteuil, j'ai pensé à Jean Lefebvre. Oh non, ça c'est critique. Moi, je ne suis pas intervenu dans... C'est critique qui remonte. Oui, je ne suis pas sûr que ça ait fait plaisir à... Daniel Auteuil. À Daniel Auteuil, mais bon. Tout à l'heure, en cherchant son nom, ah oui, Jean Lefebvre. Quelle est la part d'improvisation sur le jeu des acteurs? Sur le jeu, elle est très grande. Sur le texte, il n'y en a pas, parce que c'est pas bien, en fait. J'ai souvent essayé les impros, mais tout d'un coup, on se répète, on se chevauche, c'est dilué. Alors que moi, tout mon travail de version en version de scénario, c'est de resserrer au maximum les répliques, et ce qui fait que les acteurs... Lisent le scénario, l'aiment, l'acceptent et après apprennent le texte. Ils le savent très très bien pour penser aux choses au moment où ils jouent la scène, n'être plus sur le texte mais sur leurs gestes. Donc c'est, pour moi, c'est comme des interprètes devant une partition. Hein. Et après l'humeur, piano, allegretto, ça c'est eux, selon leur sensibilité. On ne répète pas non plus, quasiment. On fait une petite mise en place parce que. Comme ça, ils découvrent aussi le jeu des autres. Il y a une espèce de fraîcheur du premier plan qui est précieuse. Ça, c'est vraiment propre au cinéma, parce qu'au théâtre, on répète forcément beaucoup. Mais là, moi, j'essaye de capter vraiment les premières prises sont précieuses. Ils se jouent les acteurs découvrent, s'écoutent, se surprennent. C'est très précieux. Donc, je dirais qu'il y a vraiment très peu d'impro. Merci. Et juste un truc, c'est vrai que c'était drôle. Mais c'est drôle sans cynisme, c'est pas satirique, et ça fait du bien parce que c'est un vrai rire frais. Si. Allez hop.
Et combien de prises j'ai entendu, mais ça dépend de, des comédiens. Un grand priseur. Un commandant priseur ou un commissaire priseur? Commissaire priseur, du coup. Mais en fait, il y a des comédiens qui ont besoin, je pense, j'ai repensé à Louis de Funès, qui avait une horlogerie comique très précise, et lui, il se chauffait de prise en prise pour être arrivé à une espèce de précision qui nous fascine encore aujourd'hui. Alors Bourvil, lui, donnait tout dès la première prise dans une sorte de candeur désarmante. Et j'admire Gérard Horry pour La Grande Vadrouille d'avoir su concilier ces deux natures si différentes pour arriver à faire une bonne prise pour les deux, quoi. Ça ne doit pas toujours de la tarte. Donc le nombre de prises, ça dépend pas mal des gens qui sont devant, quoi. Daniel Auteuil, Jean Lefebvre. Daniel Lefebvre est plutôt à deux prises. Et Denis, je trouve qu'il crante. À chaque prise, il est un peu plus précis. Enfin, ça dépend vraiment. Ouais. Sandrine, elle est unique parce qu'elle est autant de la première prise que de la 40e. C'est complètement dingue. Elle est d'une constance tout en étant très sensible, jamais en pilote automatique. Ouais. Et du coup, quand même, dans le film-là, vous êtes à la fois le réalisateur, l'acteur et le pilote du bateau. Donc ça, admiration. Et je veux dire, c'est vous qui pilotez le bateau vraiment? Oui, parce que je voulais pas le. Je me suis dit, si je pilote vraiment le bateau, j'aurai des gestes crédibles. Parce que sinon, ça va être très vite manège pour enfants, chacun son petit volant. Ou les films où il y a une transparence en voiture, où on fait ça tout le temps, où on regarde longtemps son voisin. Donc là, mes gestes étaient ceux de naturels de direction de bateau. J'avais fait cacher un retour vidéo dans le pupitre du tableau de bord. Comme ça, je voyais le plan en train de se faire. C'était très pratique. Je pouvais positionner le bateau à ma guise dans le cadre. Je voyais du coup le plan en train de se faire. Et souvent, si on pense à autre chose, on fait ça mieux. Quand on conduit une voiture, si on est en pleine discussion, on va conduire de manière bien plus souple que si on est tout seul à vouloir gratter le mec de devant ou je sais pas. Et là, c'est si l'acteur se reposait un peu sur le capitaine et le réalisateur, du coup, était en train de faire l'acteur. Donc, ces trois casquettes étaient un peu détendues. Je ne sais pas si c'est très clair dans ma métaphore, mais ouais. Mais je trouve justement, enfin, je rebondis un peu sur ce qui a été dit avant, sur, et puis sur la précision de ce que ça demande. Alors déjà les gags, ou pas seulement les gags, il y a ce plan qui est quand même, c'est juste tellement génial et tellement beau, cette jeune fille sur la balançoire, et puis qui glisse sur le bateau comme le bateau glisse sur l'eau, c'est complètement... Et il m'a semblé que ça a aussi à voir avec justement qu'est-ce que c'est une équipe qui fait un film et à la fois quelle précision ça demande, un petit peu comme de conduire sur le bateau, dès qu'on lâche, et en même temps, qu'est-ce que ça permet de... Ben voilà, de choses qui sont inattendues, qui sont politiques, qui sont drôles, qui sont ce que vous avez, je crois, ressenti pendant le film. Donc, Par exemple, pour cette scène de balançoire, ce qui n'est pas évident, c'est que moi, j'avais une espèce d'image un peu idéalisée. Et je me disais, il faut que ça soit très facile à voir, que ça soit évident. Surtout pas de l'ordre de la cascade risquée, mais au contraire, un truc qui coule de source. Et du coup, au contraire, on a fait venir une cascadeuse et il a fallu trouver les bons réglages, la bonne longueur de balançoire, la bonne allure du bateau, bien dans l'axe, tout ça, pour que tout ça soit synchronisé. La jeune fille, Mila, qui joue le rôle, était trapéziste avant, donc elle était assez à l'aise avec ça. Mais on a pas mal répété. Et là, tout d'un coup, ça devient vraiment technique. Et puis, on espère que le jour du tournage, avec le travail, ça redevient léger. Alors, ce qui est amusant, c'est que Daniel Lefebvre, Sandrine Kiberlin et Denis n'étaient pas au courant qu'on avait bien répété ce truc-là, que c'était assez au point. Donc, ils étaient assez inquiets de me voir tracer droit vers Mila, la jeune fille, et qu'elle passe comme une lettre à la poste, qu'elle se remette à balancer en partant.
Il y avait un petit effet, petit moment de grâce au tournage. C'est un moment de grâce incroyable. Parce que j'ai pas voulu découper aussi les axes pour qu'on voit que c'est pas triché. Ouais, c'est très très. Je me demandais simplement comment vous pensez le film en image. À quel moment vient le découpage? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment fait avec le chef opérateur Patrick Blossier? Est-ce que c'est quelque chose qui est très défini, qui bouge pas avec le tournage? Ou est-ce que vous voyez sur le moment un peu en fonction des comédiens? Voilà. Et par contre, il me semble que dans le film, il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de... Bon, public non, mais... très pointu. Hein. Oui, parce qu'il y a une réplique, du coup j'ai explicité, mais il y a une réplique qui revient d'habitude dans mes films, c'est quelqu'un demandé depuis Liberto Lero, et il n'y a pas de... Et, non, il n'y en a pas. Et on ne sait jamais ce qu'il a demandé. Et là, je l'avais évidemment tourné, cette réplique, au moment où Daniel est dans l'écluse, il demande une menthe à l'eau. Et donc, à un moment, il n'y a pas de... Est-ce qu'on voyait que s'il n'avait pas eu une menthe à l'eau? Et du coup, cette réplique qui d'habitude ne veut rien dire, elle prenait du sens bizarrement. Elle explicitait le fait qu'il n'y ait pas de menthe à l'eau. Alors, c'est beaucoup plus drôle qu'on voit qu'il a été servi de ce qu'il demandait. Et du coup, je l'ai enlevé. Cette fois-ci, trop lourd. Hein, parce que je pouvais j'arrête avec mes auto-citations, parce que je vais mourir étouffé. De toutes ces de derniers films, il n'y aura plus aucune idée. Ce serait que des trucs récupérés, réchauffés au micro-ondes. Enfin bon. Donc, je l'ai enlevé. Et vous parliez des coupages. Il faut expliquer ce que c'est. C'est le choix des plans. On décide des axes, telle valeur de plan, telle caméra. Puis après, on a la caméra ira se mettre là, donc on prépare ça. Je fais en amont, effectivement. Alors certains vont jusqu'à dessiner leur film, comme ça, plan par plan. Moi, j'en ai vraiment pas besoin, parce que j'ai envie de rêver un peu les plans. Si je les vois dessiner, ça me tue un peu le désir. Du coup, le découpage, on le fait... Bruno, faut que tu arrêtes de dire « du coup », il paraît que c'est pas français. Donc, par conséquent... on effectue le découpage avec mon chef opérateur, ma script et mon assistant. En amont du tournage, on décide de tous les axes. Et c'est vrai que ça reste souple. Si les comédiens ont envie finalement de rester assis plutôt que de se lever, je ne dis n'importe quoi, il faut pouvoir quand même s'adapter. Donc c'est prévu, mais souple. Si j'ai fait tout ça, moi je me sens vraiment disponible pour les comédiens au jour du tournage. Alors que j'apprends parfois qu'il y en a qui ne découpent pas du tout, qui se pointent le matin en cherchant où mettre leur caméra. Et là je les admire parce qu'ils se mettent une pression de dingue en plus de celle de direction d'acteur, etc. Et chacun trouve sa méthode. Ouais. Je me demandais, est-ce que c'est comment de diriger son frère au cinéma? Je suis l'aîné, donc de toute façon j'ai 2 ans plus que lui. Notre autorité naturelle, il me doit respect. Mais avec Denis, on se comprend très très bien. Donc on se parle très peu. Je sais que le scénario, il aura très bien pigé. Ce que je trouve chouette, c'est qu'il me surprend toujours. Il va toujours plus loin que ce que j'imaginais. Il trouve des couleurs, quoi. Là, il était un peu vermé de funesse. C'était colérique, mesquin, qui était bien. Ça coule de soi. Je ne sais pas quoi dire d'autre pour rester dans les métaphores. Moi, ce que j'aime bien dans un film, c'est qu'il y a toujours de la tendresse quand même. Des acteurs qui ne sont jamais cités, c'est très rare. Ou alors, c'est très drôle, ça va très vite. Ça, je trouve que c'est particulier à votre style, non? Je ne vois pas beaucoup de films, j'ai beaucoup de cinéma, mais il y a toujours quelque chose, c'est très drôle, et puis les expressions des gens, c'est vous qui les... Vous choisissez des très bons acteurs, en fait. Le secret pour bien parler à un comédien, une comédienne, c'est de ne jamais vouloir façonner leur visage. Il faut leur parler d'un sentiment, et si on veut qu'ils boudent, on va leur dire un truc qui... justifie le fait qu'ils boudent, et ils vont bouder, mais jamais... Mon frère m'a déjà dit, une fois, il y a un réalisateur qui me dit « Tu peux pas hausser le sourcil un peu plus, là ?»
Ça, en général, c'est une demande purement mécanique, ça passe moyen. Ouais. Je trouve qu'il y a aussi dans le film quelque chose de, oui, de rêve comme ça, de réconciliation assez... Je continue d'y croire. Je sais que parfois, on reproche au film le fait de se terminer dans la concorde générale ou une déclaration comme ça mutuelle d'amour qui peut vite virer à la mièvrerie. Mais moi, je suis très attaché à cette idée toute bête qu'on est quand même sur une petite boule bleue qui gravite dans l'espace et qu'on a un petit jardin à protéger et que je trouve ça tellement dingue qu'on se détruise les uns les autres. Donc, je suis toujours très attaché à tout ce qui nous ramène à la paix, à la concorde. Je n'ai pas du tout peur d'être mièvre là-dessus parce qu'on a tendance presque à perdre de vue parfois. Ouais. Bon, quand même. Voilà, j'assume. J'aurais du mal à faire une fin qui ne soit pas heureuse, sachant que je sais que je vais au cinéma pour me réconcilier parfois avec la vie, et du coup, voilà, c'est comme ça que j'avance. On a pas mal parlé de la mise en scène, un petit peu de la musique. Il y a aussi les dialogues. Vous dites qu'effectivement, voilà, il n'y a pas d'improvisation. Ben moi, je ne peux pas résister. Je vais faire honte à mes camarades. Mais je ne peux pas résister quand même à... si vous osez le dire, mais cette idée de converge, je trouve que si on connaît un tout petit peu le français, c'est quand même très drôle, non? Certes. Ben oui, non, mais il y a pas mal de trucs lourds qui paraissent pas forcément lourds, mais qui le sont. Non, moi, je trouve ça très drôle parce qu'il faut bien connaître pour comprendre un petit peu. Oui. Explicité, ça va. Et plein de gens vont se précipiter sur le dictionnaire. Non, mais j'ai souvent des images comme ça qui m'arrivent de mots hyper lourdes et je ne me rends même pas compte. Parce que là, je vous jure que c'est complètement innocent de ma part. Hein. Non, vous ne croyez pas, mais c'est vrai, c'était une jeune femme qui faisait le service dans un TGV. Elle me sert un café, me reconnaît, me dit « Ah, c'est formidable, j'ai beaucoup aimé votre film, je ne sais plus quelle c'est à l'époque. » Puis je lui demande du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait. Donc elle gagne sa vie comme serveuse dans ce TGV, mais sinon elle faisait des heures d'hypnose. Et tout son truc, elle disait « Si vous voulez retrouver l'équipe dans la vie, l'axe du bonheur, etc., c'est de converger, de penser à son nombril. » Tout commence par là, la déchirure, la première... Et si vous revenez au nombril, vous allez vous recentrer. Tout. Donc c'était sa conviction intime. Et du coup, ça m'a inspiré après pour cette hypnotiseuse. Voilà, donc après, le mot se décline effectivement, bizarrement, mais c'est fortuit. C'est moi qui ai très mauvais esprit. J'ai un petit joker dans la poche pour conclure cette rencontre. Ça vous amuse que je découpille ma petite grenade? On m'a offert ça à Épernay. J'ai fait 22 dates là, avec ce film. Et Épernay, c'est la capitale, enfin c'est à côté de Reims, donc c'est un endroit où... Donc j'ai eu... Voilà, on m'a offert une très belle bouteille de champagne, bon, je ne dirais pas la marque. Un poster d'Épernay, c'est encadré, très beau. Et cette petite boîte qui a fait ma joie, et je vais vous en faire la démonstration. On dirait une boîte à vaches. Et si je la dégoupille, ça, j'enlève la petite languette comme ça. Voir, j'ai approché le micro, si je la retourne. Il n'y a pas besoin de couper avec de l'eau. Non. Il n'y a pas besoin de couper avec de l'eau. Merci beaucoup. Ouais. On ne peut plus s'arrêter. Bah écoutez, je voudrais vraiment qu'on remercie très chaleureusement Bruno Podalydès qui venait pour la première fois à la scène. Bon, ben, je reviendrai. Hein. Eh bien, merci beaucoup à vous.